Bonjour à tous, reprenons ce let's play Baldur's Gate Trilogy avec Kaya, la guerrière illusionniste. Donc lors de la dernière session, Hardelis a intégré le groupe. Donc Hardelis est un barde avec un kit maître lame, un personnage pas facile à jouer mais tactiquement très intéressant et qui peut être très très puissant. Donc une force de 17 qui lui donne plus 1 au toucher aux dégâts, ce qui est pas mal pour son kit qui a vocation à aller au contact. Une dextérité de 17 qui lui donne plus 3 de bonus à la classe d'armure, donc ça aussi c'est très bien. Constitution de 9, c'est son gros point faible. Pas de bonus de points de vie. Pas de malus, mais bon, pas de bonus. Ce qui fait que il a peu de points de vie. En plus, il n'a pas forcément été très gâté. Bon, le seul point positif, c'est qu'il peut porter la griffe de Khazgaroth sans avoir de malus. On fera donc comme ça. Intelligence de 15, ça non plus c'est pas forcément sa meilleure caractéristique. Ça lui donne 65% d'apprendre des chances, donc 2 chances sur 3. En pratique c'est même moins que ça. Il faudra faire avec. Sagesse de 13, un score pas inintéressant mais qui sert à rien. On aurait préféré un peu plus d'intelligence. Et un charisme de 16, donc ça c'est pas mal, surtout quand on a un personnage principal qui n'est pas charismatique et qu'on n'a pas d'autres PNJ avec un bon charisme, il peut faire un bon leader. Sa race de Tiefling, donc qui n'est pas accessible au personnage principal, lui donne toutes sortes de résistances, ça en fait du coup un personnage vraiment intéressant. 50% de résistance au froid, 50% de résistance au feu. Ah non, 25% de résistance au feu seulement, mais bon. Froid et feu, il a pas mal de résistance, ce qui fait que tactiquement on peut vraiment faire des choses sympas avec lui. Il vient avec deux armes plus deux. Ça c'est quoi? C'est Entropie. Qui lui donne possibilité d'empoisonner l'adversaire, donc ça c'est très bien. Chaos, ça bouffe de la dextérité dans le jeu de base. Avec item révision, ça provoque une hémorragie. Ça a une chance d'étourdir, de rendre confus la cible pendant deux rounds. C'est pas terrible, je préfère l'épée de Sunaceni qui immunise contre la faute d'araignée, la glisse, etc. Et son livre de sorts n'est pas du tout adapté quand on le récupère. Il lui faudrait plein de sorts défensifs, un peu comme Kaya, donc bouclier, armure au niveau 1, il les a pas. Il lui faudrait beaucoup d'images miroirs. Il l'a très bien, mais il l'a pas mémorisé. En niveau 3, il lui faudrait des sorts qui dépendent beaucoup du niveau, parce qu'en tant que roublard monoclassé, il va avoir un niveau qui augmente plus vite. Et donc, bon, flèche enflammée, c'est pas mal, mais c'est encore un peu tôt pour que ce soit efficace. Minuscule météore de Melf, ça ce serait très bien. Les dissipations des délivrances de la magie, ça serait pas bien. Ce serait très bien, pardon. Niveau 4, le sort primordial, il l'a pas, c'est peau de pierre. Donc dans un premier temps, je vais surtout le garder au fond et ne pas beaucoup m'en servir. Alors on va aller récupérer la gemme dont il m'a parlé. Je sais que c'est par là, je sais que là il y a un point de spawn qui dépend du niveau en théorie. Dans mon jeu, c'est configuré pour que ce soit le pire possible. Donc, je n'aurai pas des minotaures, je n'aurai pas des ombres de roche, mais j'aurai des Yomti mages et des Yomti normaux avec. Donc, je vais y aller. Tiens, pendant que j'y suis, j'ai identifié les deux baguettes. Nuage mortel. 6 charges et sceptre de résurrection 10 charges, donc je vais les utiliser. Je vais prendre mes squelettes, je vais prendre oui. Kaya. Ce sera fait. Et puis je vais y aller. Allez. Alors là il y a un gros temps de latence, le temps qui génère les monstres. On y va. Alors ils sont déjà image miroir, bouclier. Qu'est-ce que c'est? Certainement. Globe d'invulnérabilité, renvoi de sort, bref. Ça va être coton. Je balance mon nuage mortel. Ah, je me barre. Ouais, je sais que t'es dans la zone, mais... Parlez, sans aucun doute.
sera fait. Je vais mettre ici. Dépêche-toi. Il y a intérêt que je sois bien payé pour ça. Qu'est-ce que tu fais, le squelette, là? T'es con ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait, là? Pourquoi il arrive pas à passer? Parlez. Bon, butez-moi ça. Oui. Butez-moi ça. Vous périrez de ma main. Tu perds rien pour attendre. Oui. Non, ça. Agonisant. Bon, sans aucun doute. Ok. Un peu étroit ce passage. Que tu veux, j'en ai saigné pour moins que ça. Ok. Qu'est-ce que c'est? Bah qu'est-ce que c'est? Oui, 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 oui. C'est une tactique bienvenue. J'ai besoin de soins. Vite. Ouais, t'as besoin de soins, je vois bien. Ce sera fait. Qu'est-ce que tu peux faire? Bah te soigner. Ah, de la mage. Agonisant. Est-ce que je peux le buter, lui? Hop. Mais pourquoi il y va pas, ce squelette, là? Jaira est mis en vie. Très bon, oui. Ça. On va en certainement. Il y a encore deux magots. Stop. Ah ouais, 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 ouais. Pas trop bien. La confiance est l'apanage des mon ami Kaya, là. Qu'est-ce que c'est? Sans aucun doute. Bon, le nuage fait quand même des dégâts. Hein. Voilà, le squelette est immunisé. Par contre, les mages ont une certaine résistance à la magie. Je vais peut-être me soigner avec ça aussi. Cet endroit me rappelle bien des souvenirs. De bien pénibles souvenirs. Parlez. Allez. J'attends vos instructions. Butez-moi ça. Ah, ils ont disparu. À un moment, ils vont bien revenir. Yann Yann Zen, pour vous servir. Eh, je le détecte pas. Si, voilà. Oui. Et la gloire immortelle. Ça, c'est pénible. C'est pénible au plus haut point. Un fils bas. Mâche est prêt. Ouais, voilà ce que j'aime autant. Butez-moi ça. Yann. Toujours prêt à rendre toi. Service. Compris. Je ne sers que la nature. Ouais, je m'en fous de servir que la nature. Je vois surtout que Viconia elle dérouille. Ton verbe et ma volonté. Hein? Je ferai comme tu dis. Qu'est-ce que c'est? Je suis d'accord. Comme tu dis. Fais comme je dis. Oh,
La prochaine fois. Il commence à me gonfler, ces mages. Ils auraient juré, ce sera fait habilement et soigneusement, si ce n'est proprement. Butez-moi ces gars-là. Prends ça, pourfendeur de navets. Ok. J'attends les ordres, et plus tard je t'ouvre le ventre. Exprime ta voix, c'est fait. Ouais. Ça va saigner. Ah, je suis gêné par Ardalis. Certes. Inconscient. Quoi? Il y a un griffon dans les parages? Non, il n'y a pas de griffon. Sur l'heure, votre grandeur. Oui, mon corbeau. Je suis prêt, j'y vais. Dépêche-toi. Très bien. Allez, Corian. Oui. Ce sera fait. Retrouve-moi. Il y a un mage Yanti qui traîne quelque part. Trouve-le. Qu'est-ce que tu veux, moucheron? Il y a intérêt que je sois bien payé pour ça. Ah, il est où? C'est pas possible. Où est-ce qu'il s'est barré, ce mage-là? C'est pas possible. Oui, je suis pas sûr. Je le ferai pour un navet. Bon, je vais prendre ce qu'il y a sur les étagères. On va bien le finir par le retrouver, ce salopard de mage. Il est bien quelque part. On va bien finir par se montrer. Mâche est prête. Voilà. J'en ai saigné pour moins que ça. Oh là 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 là. Et c'est Yann qui se produit. Yann Yannsen, pour vous servir. Yann, ça me rappelle une histoire. Ah, c'est gonflant ça, hein. Qu'est-ce que c'est? Certainement. Bah qu'est-ce que c'est C'est des monstres qui sortent de... J'attends les... Je ferai ce que tu dis. Parlez. Mais va falloir ça pourrait me permettre de... Savoure tes derniers Tout écrasé. Je vais tout écraser. Oui. Parquet. Ou meurs. On a Kaya de régénérer un peu de points de vie. Voilà. Ouais. Il y a intérêt que je sois bien payé pour ça. Archer. Voyons voir la couleur de tes tripes. Épargnez personne. Épargnez personne. Archer. Il y a combien d'archers là-dedans? Épargnez personne. Épargnez personne. Épargnez personne. Ah, mais il a convoqué combien de bestioles? Il est pas allé de main morte, hein, le... Ah ouais, il y a d'autres... Le sang et la gloire, Oui, c'est une tactique bien connue. Dépêche-toi, j'en ai saigné pour moins que ça. Toujours prêt à rentrer. Oh, ça, épargnez personne. Ouais. Ah non, faut pas m'attaquer mon Yann. Incactus, barre-toi, Corgan. Mâche est prêt. Je ferai comme tu dis. Pour l'instant. Oh, c'est pénible, c'est...
Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Un simple projectile magique m'a fait tout ça? Ah, il a dû me balancer un séquenceur, hein, c'est pas possible. Et plus tard, je t'ouvre le... Les oreilles, jeune papa. Parlez, c'est allergique. Bon, très bien. Ce sera fait. On a bon. Ah, ça. Profondeur de navet. Oui. Coucou. Est-ce que ça vous dit un feu solaire? J'attends les... Ça va saigner. Quoi? Pas mal, notre numéro, non? Allez, je vais faire une folie. Ogre mage, ogre mage, chaman. Oui, certainement. Oui. C'est une tactique bien connue. Qu'est-ce que c'est? Sans aucun doute. Ah, ça, ça latte, hein. Ça fait mal, hein. Ouais. Oui. Parlez. Ce sera fait. Ça fait super mal. Hop. Non. Hop. Oui. Qu'est-ce que c'est? Certainement. Dépêche-toi. Très bien. Yann. Oh, ça, je peux le faire. Parlez. Bon. Oui. Sans aucun doute. C'est qui a passé un niveau Corgan. Il y a un peuple ici, c'est juste incroyable. Vous périrez de ma main. Un silence. Qu'est-ce que tu veux? Il y a intérêt que je sois bien payé pour ça. Mettez-moi ça. Char guide mon bras. Il était temps. Ok. Dites-moi ça. Et mutez-moi ça. Pas l'air d'être bien vaillant celui-là. Il y a des trucs à ramasser là derrière, mais j'arrive même pas à ramasser tout ce qu'il y a à ramasser. Ouf, c'est fait. Bon, j'ai perdu évidemment mes pots de pierre. Sur Yann et sur Kaya. Cela, je crois que j'ai pas visité. C'était un combat un peu laborieux, hein. Ah. Mince. Ça c'est quoi? Étrange potion. Ouais non, on s'en fout. Est-ce que j'ai d'autres potions pourries? Ouais. Celles-là on les vendra. Ça c'est bien. Ah. Ok. Ben, j'aurais vraiment souffert. Hein. Qu'est-ce que c'est? Mâche est prête. J'attends vos instructions. Toujours prêt à rendre service, mon grand. Hop. Tiens ça. Je vais rendre ça. Ah Yann, ça pourra lui servir. C'est piégé là, voilà. Tu l'as détecté ce tout à l'heure, c'était piégé. Ce sera fait habilement et soigneusement. Probablement si ce n'est verrouillé.
Ouais. Ah. Personne ah ne peut me voir à présent. Des colliers, ça c'est bien. Et des gemmes. Et un collier de stabilité de forme. Ça c'est pas mal. Dans le jeu original, je sais pas ce que c'est. Ça protège du changement de forme. Avec item révision, ça protège aussi de désintégration et pétrification. Ce qui est très bien pour le personnage principal. Et ce qui est très bien aussi quand on joue un entropiste. Qui parfois foire des sorts et s'auto-pétrifie. Donc ça c'est très bien. Hop, ça c'est à nouveau pour elle. C'est pas trop lourd? Non, ça va. Ça j'ai visité tout à l'heure. Non. Je crois que je l'ai désamorcé et c'est tout ce que j'ai fait. Oh, bien. Alors... ça j'irai après à droite. Ardelis, il devait être par là, à l'origine. Oh, une belle potion de soin. Ou par là, je sais plus, l'une de ces deux salles. Et la gemme qui veut, elle est ici. Donc pour ceux qui ont reconnu un des étages supérieurs de la tour de Durlag, ça c'était un sort non désamorçable dans la tour de Durlag. Ici on peut. Je crois bien que c'est piégé aussi ça. C'est là où on trouvait un livre de... un traité de sagesse pour Viconia. Bah vas-y Yann, les amorces. Et ici on trouve trois objets très jolis. La femme la gemme, nous l'avons. Allons, oiseaux de colombure, volons jusqu'au théâtre. Allons jusqu'au théâtre. Trouvons l'auberge des 5 chopes dans le district du pont et partons à l'assaut des planches. Alors là, il y a un compteur qui se met en place. Par contre, ce compteur, en principe, on peut l'interrompre si on se débarrasse de la gemme. Je suis d'accord. Donc c'est ce que je vais faire parce que aller au théâtre, ça déclenche la quête de la prison planaire et c'est un petit peu chaud. À ce stade du jeu, non, c'est un peu trop chaud. Ce sera fait. On va plutôt dans un premier temps. Tiens, il y a un trésor qu'on n'a pas ramassé. J'en ai saigné pour moins que ça. 5 pièces d'or, bah je prends. Oui, ah, il y a un truc. Certainement. Je me suis aperçu en regardant une de mes vidéos que j'avais pas pris ce qu'il y avait ici. Sur un des groupes que j'ai laté. Qu'est-ce que c'est? Sur le groupe de Tarmor. Sans aucun doute. Un des bonhommes que j'avais laté. Et puis en plus, quel matériel quoi. Une armure de plate plus 2, très bien. Une rondage plus 2, très bien. Une queue de wyvern plus 2, ça c'est très bon aussi, ça sera pour Viconia, ça c'est pour Vicky. Et ça c'est quoi? Casque anti-charme, ah bah, allez-vous. Ah, ou Corgan peut-être. Non, moi d'abord. Corgan ensuite. Toi ça va, c'est pas trop lourd. Tiens Yann, tu vas prendre ces colliers là, ils valent super cher. Alors ça aussi c'est très bon, arbre de discorde. Provoque confusion 3 fois par jour. Utilisable par les bardes. Donc parfait pour Ardalis. Parlez, ce sera fait. Allez. En route pour les temples. Vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin. Ouais, on réunit. Peut-être faire une petite sauvegarde ici.